Et nous sommes de retour pour plus d'Odyssée. Donc on va se concentrer un peu sur l'histoire principale par contre. Avant d'y aller, j'avais vu que j'avais loupé là un lieu de synchronisation. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une encoche là, puis après on va à l'histoire principale peut-être. Je pense. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça. Ah, c'est parti. Oh, le bateau comme il... Enfin, il tourne quand on augmente la vitesse. C'est un peu débile, on dirait un jet ski, quoi, le truc. C'est marrant. Mais ouais, on n'a qu'à faire ça. Eh oui, je sais, je ne me téléporte pas. Que c'est pas drôle. Tout simplement. À chaque fois qu'on voulait que je me disais, ah ouais, on pourrait se téléporter pour aller plus vite, genre sur des îles. Sur le chemin, à chaque fois, il nous arrivait des aventures. Donc c'est pour ça que j'aime pas le faire au final. Téléportation. Puis ça rallonge le jeu. Ça qui est bien. Ça rallonge l'aventure. Genre, comme je disais dernièrement, j'ai fait God of War. Ah, il m'a duré un moment, hein. On est dans les 60 heures, je crois, un truc comme ça, plus de 60 heures. C'était cool. Mais c'est fini. On l'a fait à 100%, l'histoire est finie. Ah, j'ai bien envie de te défoncer, toi. Vas-y. Putain, ils font mal! Par contre, on est mal mis parce qu'on est complètement bloqué. Ouais, on est ça, c'est un peu. Ouais, c'est. Ouais, il était seul. Hein. Il était seul, donc c'est pour ça que j'y vais comme un bourrin. Mais être bloqué contre un bateau, c'est horrible, par contre. On y va, les gens. Allez, go. Comme elle l'envoie, quoi. Oh! Oh, waouh, doucement! Qu'est-ce qui t'arrive là? Hein? Non, mais oh. Ça va pas la tête? Ok, très bien. On a trois coffres. Oh putain! Mais bon, let's go. Oui! Très bien, on y va. Ah, merde. Nous avons de quoi faire brûler ces serpents. Ah, c'était la petite distraction. La toute petite distraction. On continue. Donc ouais, c'est bien de prolonger l'aventure d'un jeu. C'est la première fois, c'est la première fois, quoi. Vous l'aurez jamais. Ça arrivera plus jamais. Donc c'est cool. Et puis ça va assez vite au final. Donc ouais, mais en tout cas, on va se concentrer un peu sur l'histoire principale là, parce qu'on a fait vraiment nettement trop de secondaires. Bah, le monde est tellement grand aussi. Ah, c'est embêtant ces jeux avec du contenu et tout ça. C'est vraiment embêtant, je trouve. Vraiment très embêtant. Mais ouais, on va se concentrer sur le secondaire. Sur le principal et éviter le secondaire pour le moment. Qu'est-ce qu'il a ce bateau? Il n'y a plus personne dessus et les voiles sont relevées. Non, bizarre.
Première fois qu'on voit ça. Genre il est à l'arrêt. C'est la première fois qu'on voit ça. Je sais pas si j'aime bien cette cette musique là qu'il faut. On va pas s'arrêter au port. On va juste s'arrêter devant où je dois aller et après on repart direct. Faut juste que je regarde ce que je dois faire dans la quête. Ah mais un port juste là aussi. Bon bah. Très bien. Allez, on se pousse. Hop là, c'est parti. Faut que je regarde s'il n'y a pas un forgeron peut-être, histoire de prendre des ressources, non? Pas de forgeron ici. Non, il est tout. Il est là-bas. Pas grave. On y va. Maintenant qu'on a augmenté aussi la rapidité, là, c'est quand même bien. Ça reste longtemps, le sprint. Vraiment impressionnant. Ok, donc fais voir un peu la quête. Ça va, on va faire ligne droite, y a pas de problème. Mais par contre, la quête, c'est quoi? Donc, examiner le port néon en Corinthie pour trouver Antusa. D'accord, Antusa, ça marche. C'est marrant, derrière il y a des draps et tout ça, c'est sympa. Avec le vent là, c'est cool. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font, ils combattent? Oui, je crois qu'ils combattent. Ah oui, c'est des pirates avec les Spartiates, ok. Ouais. Par contre, les Spartiates, vous êtes un peu trop nombreux dans les eaux, là. Cassez-vous un peu. Ils se tirent dessus, c'est con. Ça, c'était pas mal. On a fait quelques batailles navales avec... avec plusieurs ennemis, où ils se tiraient les uns sur les autres, c'était assez drôle. C'est assez comique. Préparez toutes vos armes. Non, mais ça ira. On est d'accord que cette musique, ça rappelle comment il s'appelle, Ah putain, je me rappelle plus. Celui-là qui a fait les musiques de Batman versus Superman et tout ça. On approche encore. Ils vont croire qu'on veut les attaquer. Ouh. Malaka, ils arrivent droit sur nous. Malaka, est-ce que ça vaut le coup de le combattre ou pas? Non. Non, on s'en fout. Va falloir que je regarde le nom du mec qui a fait les musiques. Ça va me
Ça va me perturber, ça va m'énerver, non, je vais pas me rappeler. Genre ce passage là. Enfin bref. Chaque fois je le répète, hein, mais c'est parce que ça me... Pour moi c'est ça, hein, ça sonne pareil. Hein. Hans Zimmer. Zimmer. Zack Snyder. Ok, directement, ok. Hans Zimmer la musique. Je vois ça, quelque chose à remonter. Allez. Ah, on peut directement péter les tonneaux. Cool. Ça, je savais pas ça. Là, on en apprend tous les jours. On peut simplement ne pas les remonter et juste foncer dessus, quoi. Ça va, c'est cool. Là, on commence à arriver à la... à des endroits un peu plus civilisés. Là, il y a beaucoup de torches partout, de lumière partout. De bâtiments partout. Sur les montagnes, sur les bords et tout, c'est cool. Ah, on voit la différence, hein. on voit les ça c'est pas Athènes qui est juste là. Les statues et tout, c'est cool. Ça c'est bien qu'on voit ça de super loin quand même. Je vais pas regarder la map parce que je vais trouver des... Oh! Bah, c'est la première fois qu'on a, je crois, un objet de caisse dans l'eau. Ouais, je disais, je vais pas regarder la carte parce que sinon je vais m'arrêter. Et on va faire du secondaire, donc... donc on va juste au point. Point barre. Regardez, là, on dirait des ruines. Faudra l'explorer. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Ouais. Parfait. Replier la voile! Replier! Oula, qu'est-ce qu'ils ont les gens là? Calmez-vous. Entrez les rames pour un barrage! Port de sang. Sancré? Sancheré? Ok, maintenant on peut regarder un peu ce qu'il y a. Alors, est-ce qu'on est bienvenu ici? Temple d'Aphrodite. Oh, c'est quoi ça déjà, les quêtes comme ça? Ah, faites chier. Que personne ne me remarque. Ouais, c'est quoi ça déjà les quêtes comme ça là? Je vais aller voir. Je me rappelle plus du tout. C'est pas pour des oricalques? Ah, excusez-moi. Mystios, m'accorderas-tu un peu de ton temps? Tu sembles plus sage que la plupart des mercenaires. Presque autant qu'Athéna elle-même. Fais attention à ce que tu dis. Plus sage et plus forte. Surveille tes paroles, vieille femme. Surveille les tiennes, Cassandra. Tu me connais? Ne feins pas d'ignorer ta triste renommée, Cassandra porteuse d'aigle. J'ai plusieurs tâches à confier à quelqu'un ayant ta réputation. Mais si tu ne t'en sens pas capable... What? Quel genre de tâche? Pour commencer, une épreuve de jugement. Lequel de Poséidon et d'Apollon est le dieu le plus dangereux? La réponse est dans un tombeau voisin. Ce n'est qu'une énigme. Les énigmes sont révélatrices et rémunératrices quand c'est moi qui les pose. Prouve-moi ta valeur en te rendant au cimetière proche du sanctuaire d'Athéna. T'as pas beaucoup de vêtements sur toi. D'accord, je vais trouver la solution. Désolé. Épreuve de jugement. Intéressant. Alors, on fait voir un peu ce qu'il y a, ce que les Spartiates nous réservent. Est-ce que je peux franchir la ligne ou pas?
Attendez, je vais juste camper devant votre temple qui est gardé, ok? Faites pas attention à moi. Je suis juste bizarre, tout simplement. J'ai pas de chez moi, donc je dors dans la rue. Hop là. Putain, il a beaucoup de vie, ce coup. Ok. Oh, la vache. Putain, je vois rien. Je vois rien de ce qui se passe. Non, mais casse-toi, toi. Ah la pute. Merci. Merci, tu gères. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fait de sauvegarde rapide juste au cas où, parce que j'y vais un peu bourrin, mais c'est quand même un gros élite, hein, le mec. Hein. Un gros bourrin. Merde! Pardon! Tout va bien. Attendez, on va refaire ça. Voilà. On refait ça. Apparemment, ils sont pas contents. Maintenant, tu vas quitter ce monde. Est-ce que je peux les poignarder pendant ce... Non, pas vraiment. Bien joué. On y va, on s'en va. C'est quoi ça là-bas? Bon bah très bien. Là on a un quai, j'imagine, où ils font les bateaux. On va aller voir. Alors techniquement, je fais du secondaire, j'avoue, mais c'est autour de l'histoire principale, donc bon, hein. C'est pas vraiment du secondaire perdu dans les îles perdues, hein. Donc ça, ça passe. Ça, ça va. Ah, le quai du capitaine. Vous mettez pas des gardes à l'intérieur? Là. Oh. Je n'ai pas à ta place. Non, mon Dieu, le bordel. Il a pas d'armes, je crois. Merci. Ah non, putain, j'ai cru que des bourses. J'ai cru que c'était un... Je croyais que c'était du légendaire. Mais putain, les mecs comme ça, ils balancent du légendaire. Mystios à l'aigle, tu m'as sauvé.
Eh oui, je sais. Très bien. Ah, on y va un peu plus bourrin, j'avoue. Qu'est-ce que... Fais chier. Putain, déjà... Malena, la persévérante. Il nous cherche plus maintenant. Ça c'est un peu débile. Eh, maintenant il se casse. Allez, ah mince. Elle a tué le mec qui s'occupait de l'argent. Bah je m'en vais. Ça, c'est un peu débile ça quand même. J'avais dit que ça c'était mal fait quand même. J'avais dit que c'était très très mal fait. Oh la vache. Je lui ai fait le coup du bouclier là pour lui détruire le bouclier. Fini. Ah ah, tablette. Ça aussi, les tablettes, je les fais pas, j'avoue. Parce que j'ai. On donne déjà assez de notre temps pour faire du secondaire. J'ai pas envie d'aller chercher, genre, les endroits secrets. Alors, je sais que ça devrait être bien, les récompenses, mais on fera ça un jour ou l'autre, mais pas. Pas en plus de faire du secondaire, parce que sinon ça prend trop de temps. Quoi. Ah, c'est pas un des temples qu'elle nous a dit là. On va aller voir. Grotte de Dibutades. Non, peut-être pas ça. Ok, c'est exploré. Bon, on se dirige vers notre quête principale. Plein de trucs partout. Plein de trucs partout à faire. Avance. On va suivre la route. Corinthe, ça y est. On y est. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est grand. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez. Temple d'Apollon. Corinthe, cité de poterie, de prostituée. Et c'est à peu près tout. Cool. Des poteries et des prostituées. Ouais, qu'est-ce qu'on demande de plus, honnêtement, hein? Indice sur adepte à proximité. Oh. Nos marchandises sont de la meilleure qualité. Indice d'adepte à proximité. Faudrait que j'aille lire tous les indices qu'on a, en fait, qui sont disponibles. Il
qu'on a un... Hein, c'est quoi ça? Bannière spartiate abîmée. Une bannière de combat spartiate usée vendue par un déserteur. Ok, on va le prendre. Ouh, message de transfuge. Par contre, ça, on prend. Mon dieu, comment c'est cher, tout ça. Dommage. Demande-moi tout ce que tu voudras. Adepte de Cosmos. Ah merde, c'est pas ça que je vais faire. Donc l'indice c'était ça en fait. La bannière. Pas le champion spartiate combattant, hein. Ouais, c'est ça. Mieux vaut taire, les paroles creuses. Palace servait le... ne servait le culte que pour assouvir sa soif de carnage. Son surnom, le faiseur de silence, était une mauvaise plaisanterie. Sur le champ de bataille, il suscitait des cris de douleur, de frayeur, de folie et de mort. Une fois la bataille achevée, on n'entendait plus que le rire guttural de Palace. 500 dégâts infligés, rétablis en tant que santé. C'est la première fois qu'on voit un truc comme ça, je crois, non? Amazon, non, non, ça me dit quelque chose, Amazon. C'est cool, ça. Ah oui, on avait un truc qu'on voulait faire. Bienvenue, Mystios. Potentiellement, on fait voir, c'est gravé. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est ça, dégâts élémentaires. Dégâts élémentaires supplémentaires. Dégâts d'aptitude d'assassinat de ruée. C'est pas vraiment intéressant, assassinat de ruée. On est quel niveau? On est 48. Oui, bon, on va pas attendre. On va voir. Non. Ah, on peut le mettre que... Ouh, 15% à toutes les résistances. Ça, c'est pas mal, ça. Dégâts élémentaires plus 25%. Ah oui, tiens, on va regarder. Merci d'être venu. On va faire un test avec. On fait voir un peu. Alors. C'est où? Dégâts de feu, 135%. Ok, 135% de dégâts de feu. Tu as besoin de quelque chose? Alors. Merci. Alors ça augmente. 160%. Ça marche bien. Ça marche bien. Par contre, on a perdu de la santé, de la vie et de la santé. Ça, ça m'embête un peu quand même. C'est vrai que c'était vachement utile. En fait, le truc, c'est que dégâts des armes deviennent dégâts incendiaires. Ça, c'est bien. Les dégâts avec aptitude de cri de guerre, c'est bien. C'est quoi qui fait ça de base? Peut-être qu'on peut... Peut-être qu'on peut utiliser une arme qui fait déjà ça de base. Ah non, je sais pas. Ah non, c'était un arc qui faisait santé et armure. Qu'est-ce qu'on fait? On perd le dégât aptitude cri de guerre? Ah non, on va voir. On va voir si on se fait one shot en boucle. Si on se fait one shot en boucle,
Je rechange. On va d'abord prendre le point de synchronisation. Qui douane la Corias? Passer sur celui-là. Yes. Nickel. On a des nouvelles petites musiques là. Perception accrue. Alors, du coup, on va où? On va faire la quête directement. Faut que je regarde la carte, parce que je suis obligé de regarder la carte pour voir. Genre ça, où il y a tué le capitaine. Ouais. Pleine journée. Sera en alerte. On peut dormir parce que faire ça en pleine journée, c'est peut-être un peu exagéré, pardon. Alors. Non, pas ça que je veux faire, ça. Pourquoi je peux pas... Je te tiens ! Mais putain ! Ah, t'apprendras. Non mais oh. Ah, je crois que les dégâts marchent bien. Oh, il a défoncé. Oh, oh là là. Eh mais mec, je t'avais dit tuer un gars quoi. Waouh. Ouais, t'as peut-être un peu exagéré là. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez que je vous mette d'accord? Non mais le mec, je lui demande de tuer une personne, il en tue 5 quoi. Putain. C'est fou quand même. Port Néon. Ça y est, on y est. Alcibiade a dit que les Etahir pourraient m'aider à trouver ma mère. Je ferais bien de chercher où se trouve Antuza. Antuza, Antuza. Tiens, je vois du violet là-bas. Ah, oh, but. Ça attire un peu l'œil aussi, il faut dire. Toi, Antuza ? Qui ça ? Moi ? Et après tout, mon cœur, tu peux bien me donner le nom que tu veux. Moi, je suis bien moins chère que les Etahir. Et je m'y connais beaucoup mieux qu'elle en galipette dans la paille. Ah ! Et donc, son nom ne te dit rien du tout ? Antuza ? Je connais ce nom depuis toujours. Mais je ne l'ai jamais vu. Je sais que les Etahir travaillent sur un pied d'égalité. Mais Antuza sort du lot. Quand elle parle, on l'écoute. Aide-moi à trouver les Etahir. Il n'y a pas d'Etahir ici. Où sont-elles? Elles sont bien trop fières pour traîner par ici, comme nous autres.
C'est en haut de la colline que tu les trouveras, dans l'Acrocorinthe, près du temple, à satisfaire ceux qui vénèrent Aphrodite. Ok. Je travaille, moi. Si tu cherches les précieux étaïres, va voir au temple d'Aphrodite. Bon, un peu déçu. C'est, ça n'a pas vraiment fait ce que je voulais. Ah, bonjour. On ne veut pas de toi ici, mercenaire. Dégage. D'accord. On va prendre le mauvais chemin et se perdre dans l'éternité. Cette campagne est commandée par les acteurs. Hop là. Non, pas intéressant. Alors, c'est l'heure de foutre le bordel. J'espère que tu es en paix avec les dieux. On va aller l'aider. Oh mon dieu. Oh la vache. Hop là. Ah, on fait super mal. Hein. On fait méga mal. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais? T'es sérieux? Arrête. Viens pour courir. Dromos. T'es qui toi? Doucement, doucement les mecs. Alors, je vais être honnête, je crois que je suis en train de foutre le bordel dans la ville. Et on va être recherché un max. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc c'est un peu des côté des fouloirs. Faire désespérer, nouvelle quête. On a foutu totalement le bordel. Avance. Hop là. J'avoue que c'est, on prend beaucoup plus cher, surtout qu'on a moins de vie et tout ça et moins de défense, mais on fait quand même beaucoup plus mal encore. Est-ce que tu as besoin d'aide? Il y a un autre forgeron par ici. Il vend moins cher que moi, mais sa production ne vaut rien. En attendant, je ne vends plus, moi. Tu
fais une meilleure arme, toi, ta clientèle. Si tu es plus consciencieux que lui, tes clients reviendront quand ses armes se briseront. Si j'attends que ses clients s'en rendent compte, je vais mourir de faim. Il faut agir avant. Je sais où et quand il s'approvisionne en matériaux de mauvaise qualité. Et tu veux que je détruise le ravitaillement? Il ne doit rien rester. Tu acceptes? Les dieux te sourient. Ah. C'est déjà fait. C'est ce que j'ai, je viens de faire. Je te dois plus que des remerciements, Mystios. Je t'en prie, prends ceci. Cette vie ne te mènera pas loin. Mais une autre t'attend à bord de mon navire. Rejoins-nous. On cherche quelqu'un comme toi. Naviguer en Égée avec toi, après tout ce que tu as fait pour moi, oh que oui. D'accord. Alors, je vais être honnête, du coup, ça te portait pas vraiment à cœur d'être forgeron. On est d'accord. Ah, on est d'accord que être forgeron, c'était pas trop ton truc, en fait. Le mec, il veut qu'on détruise un ravitaillement et tout pour qu'il puisse forger et tout ça, parce que c'est un bon forgeron, mais en fait, il s'en battait les noix, quoi. Il s'en foutait complètement d'être forgeron. Je vais regarder un peu ce qu'on peut faire. Agile. On fait quoi? On fait tout ce qu'il y a en ville? On peut faire tout ce qu'il y a en ville à la limite. Après, allez, on fait encore deux trucs et après on va mission principale. Et on fait les choses secondaires seulement si on passe devant. On fait plus de dérivés. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Je vais devoir faire très attention par ici. Merci de me l'avoir. Allez, essaie! Il y a une chèvre là derrière. Qu'est-ce qu'ils font? Bah ils font pas grand chose. Wow la vache. Je vais t'épuiser. Je vois rien du tout. Ça fout le feu. Non mais monsieur de quête là. Merci. Bon bah, pas de quête. Le chien qui est plus résistant que... les mecs. Oh le bordel qu'il a mis quoi, le mec il a tué tout le monde. Il est putain de bourrin notre lieutenant là. Alors j'avais vu ça et après on peut partir. Ah, c'est bourrin puissance 1000. Hein. Mec, tu lui dis, vas-y, va assassiner un mec, il te fait la ville. Hein. Il rigole pas. C'est quoi ces mecs? Ah, c'est pas des chasseurs?
là. Coucou. Le bordel partout. Là, là, là. Ah. Très bien. Pourquoi ce point là? C'est pour une quête. Pas bon. Ça, c'est embêtant qu'on doive regarder. Ok, troisième trésor. Enfin, après, j'avoue que c'est moi qui l'ai enlevé le ce qu'il faut faire. Normalement, ça s'affiche, j'avoue. Ma faute. Très bien. Bon ben voilà. Alors fais-moi un peu rire sur notre recherche. Oh mais y'a que dalle, ça va. Ah putain, y'a un truc dans l'eau, fais chier. Ouais non, ça non. Je passerai plus tard, je veux pas aller dans l'eau. Alors. Hop. Attends, tu m'envoies où là? Bah tu m'envoies dans les montagnes, c'est ça non? Fragile. On l'a vu la dernière fois. Les attirés éclairés du temple d'Aphrodite. C'est où le temple d'Aphrodite? Là? Oh la vache, qu'est-ce que c'est loin. Excusez-moi, je passe. Allez, avance. Ah, j'avais dit qu'on le faisait si on était à côté. Qu'est-ce qu'il veut lui? Mais vous faites chier les paysans là. Ah. Sale débile. Non mais vous êtes sérieux là? Putain de paysan. Rien d'autre à faire. Ah, j'avoue, là, je suis mode bourrin à fond. Alors, par contre, là, ça va être un peu moins bourrin. On va voir s'il est intéressant. Non. Allez, je suis là pour toucher la prime. Ah,
Bah, mourir. Ouais, honnêtement, là, tu meurs. Pas vraiment d'autre choix. Très bien. Pas vraiment d'autre choix, j'ai envie de te dire. En haut. Voilà. Manque encore des trucs. Ça. Et ouais. Après, le faire silencieusement, on a un bonus d'expérience et tout ça, mais honnêtement, je pense qu'une fois qu'on est au niveau, ou proche du niveau 50, je crois que c'est fini, on a besoin de plus rien du tout, quoi. Juste ton cheval en fait. Bon, je vais peut-être jouer un peu plus sérieusement après. Mais pour l'instant, je m'amuse. Alors. Grotte sacrée. Ah, mais on est de retour là. Ah, une grotte sacrée. Allez, allez. On va faire ça, on est à côté. Et après, on va à la montagne. Où est-ce que ça va? Oh, c'est quoi? Putain, c'est une statue, bordel. Je crois que c'est un géant. Oh, là-haut. Putain, j'ai cru que c'était un géant, je sais pas pourquoi. Mais c'est une statue géante, enfin c'est un truc à tuer, quoi. Allez, on rentre. On rentre, on sort. On s'en va, quoi. Eh, parfait. Alors, par où on passe? Allez. Je sens que ça va être relou. Non, mais ça peut arriver, fais gaffe. Ça va, on a une belle route en fait. Ah, les combats de chiens. Ça va, mec? Mec, il s'est enterré, quoi. Hey,
fort de l'acro-corinthe. Putain. Ça a l'air d'être là. Allez, on y va. Ah, ça donne envie là. Ça donne envie. Un temple en haut de la Crocorinthe. Voilà ce que je cherche. Ouais, mais regarde-moi ça, il y a plein de trucs avec lesquels jouer là. Oh, toi t'es bien en plus. Ah, il y a des gens à kidnapper et tout. Là là, ça a l'air bien. Ça a l'air fun. J'ai besoin de fun dans ma vie. Donc bon. Du coup, c'est parti. Ah, ils ont une torche et tout, ça tue. Ils ont un feu de détresse. Bon, il y a le... le mec, le dirigeant à prendre. Merde, pas ça que je vais faire. C'est pas grave. Le dirigeant qu'il faut. Pantarès, serviteur d'Hadès. Waouh! J'avais pas vu son nom. Elle est où la torche? Elle est là-bas. Ok, on va d'abord faire la torche. Hop là. Faudrait pas que tu te mettes au bord comme ça. Dangereux. Ah mais tu brûles, tu vas foutre le feu partout, non? Non, ça va. Okay. T'as rien vu. Mais non, t'as rien vu du tout. Merde, y'a lui qui descend. Il est bien lui ou pas? Oh oh. Pardon, j'ai tapé des pots avant toi, je sais pas pourquoi. Les pots, ils avaient l'air plus dangereux que toi en fait. Ouais,
putain de loup. Putain d'ours. Non, pas ça. Très bien. J'ai toujours pas... Je me suis toujours pas occupé du de la torche. Elle est ouf. Elle doit pas être loin. Oui, voilà. Parfait. Ah, c'était tout prévu, en fait. Faites pas attention. C'était tout prévu. Voilà. Voilà, nickel. Je sais pas ce que ça fait ça du coup de brûler la cage. Est-ce que ça va tuer l'ours? Attends, je vais juste vérifier les... Ok. Ouais non, il y a que le dirigeant qui est intéressant. Ouais, toi non plus. Ah, toi, tu t'as beaucoup de vie, toi. Est-ce que j'ai... Alors, attendez. Désolé hein, de mettre pause en plein milieu de l'action, mais... Est-ce qu'on a les coups chargés? On n'a pas les coups chargés. Hein. C'est quoi, les coups chargés? Ça? Ouais, chargé. Non, on n'a pas. C'est vrai que là, pour des postes comme ça, le meilleur, c'est ça. Hein, c'est le coup de pied spartiate. Hein. J'avoue que... Là, il n'y a pas photo. Bon, après on peut faire ça aussi. C'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Mais attention, t'es fou! Donc il m'avait vu. Tous les sauts demandés par le général Demosthène. Je peux rentrer. Maintenant. Putain, t'en as de la résistance. Ah oui, me tue pas le mec. Hein. Quelle merde. Ah là, fait chier. Je suis mal mis comme bordel de merde. Bon, on va voir qui est encore en vie après ça. On va voir qui est encore en vie. Ah putain, ma vue de merde. Mais bordel de merde! Qu'est-ce qu'elle a, ma vue? Elle est gérée par des trucs, c'est la merde. Ah oui, tu es qui, toi? Non, tu peux crever, toi. Hop là. On va aller récupérer le dirigeant. Là.
Ouais, ben putain, on dirait qu'il met un peu de temps, hein. On dirait qu'il fait du surplace. T'es sérieux? Oh la vache. Le navire a besoin de marins comme toi. Viens avec nous. Nickel! Il a l'air bien spécial en plus, lui. Non, lui, je m'en fous. Alors, Pantarès, serviteur d'Hadès. 10% de conscience intellectuelle après navire coulé. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je crois qu'il n'y a plus personne dans le camp. Il y a l'ours qui se balade tranquille. Ça va, je vais trouver l'entrée au bout d'un moment. Oh mon dieu, t'es sérieux là ? Je monte, comment je monte? Casse-toi, lourd, je t'ai sauvé, je t'ai libéré, tu vas pas me faire chier. Oh, coffre. Yeah, 3000. Je crois qu'on a fini. Presque, sûrement. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque des trésors encore, bien ce que je pensais. Ça, c'est l'entrée. C'est quoi ça? C'est une meute de loup que j'ai détectée? J'étais trop loin pour voir, parce que là, il y en a beaucoup quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, des cochons sauvages. Intéressant. Bon, fais quoi? Go quête principale. Allez, on y va. Lâche-moi l'ours. On pourrait le tuer, hein, mais bon.
Quelqu'un d'autre s'en chargera. Bonjour. Les Etaïr, où est-ce qu'elles sont ? Elles ne viennent jamais ici. Alors vous allez payer pour le mal qu'on se donne à les trouver. Nous sommes là pour prier. Aphrodite ! Jusqu'à la mort ! Bah, je suis pas Aphrodite, mais... Ça fera l'affaire. Ah bah, encore heureux que je suis invincible. Ne t'en fais pas, ce ne sera pas long. Ah, j'allais tirer, mais... Bah, on peut le faire maintenant. Impossible. Qui était-ce ? Et pourquoi cherchait-il les Etaïr ? Voilà. Aïe ! Ces porcs s'imaginent qu'on a bâti ce temple pour eux. Oh, des voleurs, mais pas la moindre trace d'Etaïr. Les Etaïr. Elles sont bien plus malignes que nous. Elles ont compris que leurs visiteurs se faisaient détrousser en venant ici. C'est impossible d'échapper aux hommes du Maguignon. Alors... Je serai sur mes gardes. Il aime l'argent, Mystios. L'argent, mais aussi le pouvoir. S'il le renifle sur quelqu'un, il est mort. Alors, ce Maquignon, c'est un criminel de Corinthe ? C'est le maître des marchés clandestins. Toujours une main tendue pour qu'on le paie, et l'autre, serré sur une arme. Un monstre, assoiffé d'argent et de sang, voilà ce qu'il est. Aïe, 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 aïe. Si vous connaissez les Etaïr, vous avez entendu parler d'Antouza. C'est elle que je cherche. On dit qu'elle est partout. Et je ne l'ai jamais vue. Rien n'échappe aux Etaïr. Je les ai vus se rassembler à la source de Pyrène, plus bas, sur la montagne. Elles y retrouvent leurs clients, puis les emmènent ailleurs en secret. Bien. La prochaine fois, priez Aphrodite chez vous. fais voir cette quête, là, m'intrigue. Je l'ai vue. Et elle vient encore d'embellir. Ah, mais c'est lui! J'espérais beaucoup te revoir. Je l'aime bien, lui. Alcibiade, qu'est-ce que tu fais aussi loin d'Athènes? Les gens comme moi ne tiennent pas en place. J'ai amarré mon navire dans tous les ports. Oh, ça, je n'en doute pas. Il parle du bateau. Si tu n'es pas ici que pour la vue, j'ai une tâche pour toi. Il parle d'autre chose. Il est crucial que ce paquet parvienne à son destinataire. Il ne vient pas de moi, hein, mais d'un dénommé Diodoros. Je veux bien, mais il n'y a que cette petite boîte. Il ne faut jamais juger les choses par leur taille, tu sais. Une petite chose peut faire de gros dégâts. Quel est ton port préféré ? Oh mon Dieu. Tu as beaucoup voyagé. Quel est ton endroit préféré ? Oh, une question personnelle ? C'est intéressant. Ce monde compte beaucoup de lieux superbes. En choisir un serait comme devoir choisir mon Etaïr préféré. Je le peux, mais la réponse variera toujours selon mon humeur. C'est pas mal comme réponse. Très bien. À qui dois-je remettre ce paquet ? Un homme appelé Bardas, près de la forteresse de Corinthe. C'est l'un de leurs meilleurs atouts. Et je lui dis que le paquet vient de toi ? Ah. Non, de Diodoros. N'oublie pas, hein ? Diodoros. Diodoros, ça marche. Oh merde, attends, je suis pas sélectionné avec elle, ça. Fragile. Diodoros, faut pas que je me loupe. Parce que s'il faut, ils vont peut-être me demander. Me demander quel nom, je vais dire de la merde.
Ah putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? T'en fais pas, ce sera rapide. Je veux juste... Désolé. Ah la vache, casse-toi. C'est bon, on a fini. Alors, Diodorus. Comment se retrouve l'ours? Ça va toujours? Ah, tu risques de me faire chier pour ma quête par contre. Putain, t'es full vie. Oh mon dieu, elle est où l'entrée? Bonjour. Oh, d'accord. Alors ça, c'est pas la mystiose que j'ai demandé. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, c'est pour toi. Donne-moi ça. C'est une plaisanterie ou quoi? C'est un moulage de phallus. Attends, il y a un message gravé. Voilà pour Telia, ta femme, quand je commencerai à lui manquer. Dis-moi qui a envoyé ça. Waouh, ça vient de Alcibiade, ça vient de moi. Ça vient de Diodorus. Le nom de Diodorus te dit quelque chose? Diodorus? Il va le payer de sa vie. Je vais tuer ses hommes et brûler son navire. Il va regretter d'avoir touché à Telia. Ok. Bon, bah au revoir. Je me demande si on avait dit que genre ça vient de moi. Genre est-ce qu'on tue le mec? Genre peut-être qu'il a des drops et tout intéressant. Ça c'est un peu le truc chiant quoi. Mais bon, vu que j'aime bien le mec là qui nous a demandé de le faire, je fais comme il dit parce que comme ça on... Peut-être qu'il y aura des suites en fait à ces quêtes à chaque fois. Parce que ça va faire au moins 3 ou 4 quêtes je crois qu'il nous donne à chaque fois qu'on le rencontre. Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. Non, non, mais tu crains rien. Qu'est-ce qu'il a, le loup? Ok. Eh merde. C'est bon, on est là. Je commençais à me languir. J'espère que tu as livré le... paquet. Quand je le lui ai dit, Bardas a menacé de tuer Diodorus. Et je ne m'attendais pas à ce que le contenu soit de cette nature. Jolie surprise, n'est-ce pas? Et je peux en faire un pour toi, si ça t'intéresse. Un autre? Alors... Oui, oui, c'était le mien. Plutôt beau, n'est-ce pas? Il faut que j'écarte Diodorus de mon chemin, et c'est fait. Parfois, je m'impressionne moi-même. Si tu le dis. Et si nous laissions plutôt nos corps parler? Tu as sûrement dû y songer en voyant ce moulage de mon paquet. Quoi, ici? Devant les dieux? Disons que c'est une offrande. Le truc est dans le temple. J'aimerais voir si les dieux nous en empêchent. Ah, à mon avis, ils vont préférer nous regarder. Oh mon dieu, quoi. Faudrait que ça soit du Mass Effect, genre qu'on voit un peu. Pas tout, évidemment, hein, mais ce serait marrant. On a offert aux dieux un beau spectacle. Oui, et le rideau n'est pas encore tombé, si tu vois ce que je veux dire. Waouh, le mec a l'air un peu essoufflé. Qu'est-ce qu'il a, le chien, là? Il est mourant ou quoi? Voilà. C'est bon, il vous fera plus chier. C'est, apparemment, les gens ont peur, il a tué quelqu'un, donc bon. Mais il était mourant.
là à faire ça dans un temple. Peu importe. Bah du coup les dieux, ont rien empêché du tout. Hop là. Waouh, c'est beau. Putain. Oh la vache. Ah, c'est classe quand même là. Hein. Ah, il y a quelques endroits, c'est encore plus impressionnant que d'habitude, quoi. Un texte rédigé par Thomas. Qui aurait cru que le grand général athénien était aussi poète? Ah non, c'est classe quand même. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh là là. Encore un rabat-joie. Oh. T'as de la chance, tu vas pas mourir, toi. Je dois essayer de ne pas me faire voir. Ah, il a un quoi? Il a un chat, un chien? Ouais, c'était pas beau. Ah, le chat. Putain, tu fais mal ton boulot quand même. Ah ouais, mais si je lui mets le feu. Ah, si je lui baisse trop la vie et que je lui mets le feu, il va mourir même par terre, je crois. C'est bon. T'es qui toi? Ah, par contre vous me faites chier là. Je souris pas. C'est qui ça? Bon, toi tu viendras pas sur notre navire. Ah là, putain. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont chier. Il me fait chier l'autre. Hein. Meurs. Il n'a pas d'honneur.
C'est bon. Non, toi, je sais pas d'où tu viens. Voilà. Éteignez ça. Je crois pas que c'était ton plus gros problème, c'est d'éteindre le feu, en fait. Je crois pas que c'était vraiment le plus gros problème. Alors... Santé de tous les lieutenants. Ça, c'est pas mal, hein, les trucs de lieutenant. Recruter. Alors, maintenant. Parce que c'est bien beau, parce qu'on commence un peu à tourner en rond, là. Alors, il y a plein de trucs tout autour. Dans ça, ouais. C'est quoi? Parler à Antuza, source Pyrène. On va voir. Ah, du coup, c'est pas loin, en fait, du tout. Je pensais que c'était plus loin quand l'autre, elle nous a dit qu'on peut la trouver à la source. Non, j'en suis à peu près sûr. Ah, Cassandra nous a enfin trouvés. Tu me connais? Et tu la connais, elle. Voici Antuza. Nous t'avons vu aider ses fidèles au temple d'Aphrodite. Tu as prouvé que tu étais une amie. Tu entends ça, Icaros? Elle voit aussi bien que toi. Et quelqu'un? Nous avons tous tes mérites. Surprise! Oh, c'est elle! C'est Aspasia qui m'envoie. Je travaille pour elle, tu te souviens? Mais pourquoi ici? C'est très dangereux, Corinthe. C'est loin, en plus. Je devais annoncer ton arrivée à Antuza. Aspasia m'a appris un nouveau mot. Émissaire. C'est moi. Et maintenant, j'ai rencontré Cassandra. Tu vois? C'est facile. Maintenant, je peux t'aider. Pourquoi pas, après tout? Bah ouais. Qui sait dans quoi je vais me retrouver. Gagné. Mais je compte sur toi pour être prudente. Nous devons entrer, Cassandra. Nous ne sommes pas les seuls à observer. Suis-moi. Nous parlerons. Je peux venir? Si tu te tiens tranquille. On a la classe quand même avec notre armure et tout. Je le répète, mais... À quoi dois-je ta visite? Alcibiade m'a parlé de toi. Vraiment? Mais encore. Je cherche une femme qui a fui Sparte. Il y a longtemps. Elle se faisait peut-être appeler Myrine. Qui est-ce? C'est ma mère. Ta mère? Mais tu n'as pas de mère? Marcos m'a dit qu'il t'avait élevée. Tu n'étais pas censée te taire, toi? Je vois. Ta question trouvera une réponse en temps voulu, mais ce moment n'est pas venu. Je comptais en apprendre un peu plus. Tu ne sauras rien, à moins de m'offrir quelque chose en échange. Qu'est-ce qu'elle veut? La vie m'a appris à être dure en affaires. Tu ferais mieux de dire la vérité. Tu n'as jamais vu Cassandra en colère. Si tu allais jouer, wow. Antuza et moi avons à parler. Ouais. Si tu veux. Merci. Je te propose un marché. Aide-moi, aide-nous à nous renforcer. Le Maquignon doit définitivement disparaître de Corinthe. Ça ne t'engage à rien. Quel nom de merde, quand même. Je sais que dans une des répliques, on pouvait dire quel nom idiot. J'aurais dû le faire parce que c'est vraiment un nom de merde. Ça me convient. Sage décision, ma chère Mystios. Si je suis arrivée où j'en suis, c'est parce que je sais reconnaître les bonnes occasions. Nous voilà, partenaires. Bon. Tu as entendu parler du Maquignon? J'ai appris son existence après avoir tué certains de ses hommes. Apparemment, il est célèbre à Corinthe. Tristement célèbre, oui. Sa lame a versé beaucoup de sang corinthien. Cela arrive parfois en affaires, mais nos rapports sont tendus. Tu as su tirer ton épingle du jeu. Tu es toujours vivante. Pour l'instant. Mais ses hommes ont réussi à constituer une petite armée.
Maintenant, ils attaquent les gens dans les rues. Nous y compris. Il a tué des Étaïres ? N'exagérons rien, nous ne sommes pas si faibles. Mais il faut agir avant que ça n'aille trop loin. Et du coup, je ne suis pas la seule à avoir besoin d'aide. On m'envoie, quoi. Damalis et Irina ont aussi des ennuis. Toujours le maquignon ? J'en suis certaine. Retourne la situation afin qu'il souffre à son tour. Tu trouveras Damalis ici, à la source. Mais Irina est au jardin de Bellérophon. Je vais voir ce que je peux faire pour elle. Bien. Le maquignon paie ses hommes grâce à ses activités de contrebande. Surtout la vente d'armes. C'est ce qu'il y a de plus lucratif depuis le début de la guerre. Par conséquent, si le commerce du maquignon ralentit, ses hommes auront faim. Tu as tout compris. Va à son entrepôt du port de l'Écaillon et brûle toutes ses marchandises. Le chaos se chargera du reste. Mmh. Bien, cet entrepôt finira en cendres. On l'a pas fait ? Alors tu viens pour nous aider, Mystios ? Oui. Tu n'as pas l'air d'un espion du maquignon. Je suis plutôt du genre à cogner. Le maquignon te cause des ennuis, Damalis ? En quelque sorte. Un de mes habitués a changé. C'était un homme décent avant, presque attentionné. Mais il a mal tourné. Les gens décents sont de plus en plus rares à Corinthe. J'ai besoin de quelqu'un avec des muscles pour comprendre cette histoire. Pourquoi il est si différent ? Je vais voir ce qu'il a à dire pour sa défense. Quand il ne traîne pas par ici, il est chez lui. Je veux que ça cesse dès aujourd'hui. Devant ma lance, les gens ont tendance à révéler leur vraie nature. Je vais aller le voir. Ça marche. Ouais, mais alors du coup, oui, ça fait beaucoup de trucs qu'on accepte pour le maquignon. Bon, toi, tu fais chier. Là, il y a des trucs. On y était allé. C'est bien ce que je pensais, l'entrepôt du maquignon. On l'a déjà fait, hein. Bon, c'est pas grave. Et après, là, c'est voir le mec, rejoindre la maison du client. Ouais. Et là, on a parlé à Irina. Ouais. Bon, on a qu'à faire ça. On va d'abord parler à Irina pour récupérer encore une autre mission pour le maquignon. Et après, on fait tout le reste. Ah, il nous faut un parapente, là. Parachute, un truc. Ça serait trop bien. D'une autre nuit blanche. C'est la première fois qu'elle dit ça, tiens. La fin d'une autre nuit blanche, c'est vrai. Que Cléo rentre bientôt. Quoi ? Pas déçu une amie, toi tu contiens une mortelle. Tu as besoin des services d'une mercenaire ? Comment sais-tu que j'ai besoin d'aide ? Antouza m'a dit que je pourrais t'être utile. Cléo, une de nos filles, ne m'a pas rejointe à la prière ce matin. Et elle n'était pas chez elle. J'aimerais en savoir plus, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Elle a peut-être été enlevée. J'ai posé des questions. Un de mes clients affirme avoir vu Cléo monter à bord d'un navire, escorté par des hommes armés. Je suis prête à payer un bon prix pour la récupérer. Des hommes armés ? Conduis-moi à ce navire. On va récupérer Cléo. On y va. Suis-moi. À ton avis, qui l'a emmené ? Ce n'est pas la première fois que les hommes du maquignon s'en prennent à nous. C'est pas tous des hommes du maquignon, ça ? Ceux-là, là ?
Aucune de nous n'a jamais disparu ainsi. Certaines s'inquiètent d'être la prochaine à être enlevée. En plus, je crois qu'elle va au port où on doit aller, non ? Bah, de toute façon, il n'y en a pas 36 des ports. C'est pas chiant de courir comme ça. Aïe aïe aïe. Corinthe a mauvaise réputation, mais ça n'a pas toujours été le cas. Nous étions en sécurité avant. Avant le Maquignon. Oui, nous ignorons la raison de sa venue et Corinthe va mal depuis qu'il est là. Je crois que c'est juste dans cette direction. L'entrepôt là qu'on doit tout détruire. Ouais, c'est là-bas. Pardon. Ouais, mais bon, avance quoi. Au bout d'un moment, c'est relou quoi. Où tu vas ? Là, c'est le bateau qu'a décrit notre client. Je t'en prie, ramène-la saine et sauve. Ah là, ça marche. Eh hey les gars, on lève l'ancre. Préparez-vous, on part. Hey, attention. Quand vous voulez vous activer. Hein. On est trop proche du port encore. Nous sommes en mer. Prototype, ah, en dessous. Oh mon dieu, voilà. Wow. Ah, va falloir aller dans l'eau. Bon, excusez-moi, je voudrais... Ok, d'accord. Non, c'est pas ça. Oh la vache. Joli. Ah, on a les nouveaux avec nous. Enfin, le nouveau là que j'ai remplacé. Il y a une lance et un bouclier. Je vois rien du tout, quoi, bordel de merde. N'approche pas, je suis venu pour te sauver. Me sauver ? Tu as coulé mon bateau, pirate ! Ah. Ne m'oblige pas à t'arracher ce couteau des mains. Voilà, c'est tu vas te calmer. C'est une amie qui m'a envoyé. Tu mens ! Ton amie Erina m'a engagé pour que je te libère et que je te ramène. Erina ? Mais j'ai affrété ce bateau pour pouvoir quitter Corinthe. Tu t'enfuyais ? Mais pourquoi ? Tu n'as aucune idée de ce que le Maquignon fait aux gens. De tout ce que j'ai vu, personne n'est à l'abri à Corinthe. Ah. Erina a cru qu'on t'avait enlevé. Elle s'inquiétait beaucoup pour toi. Si elle se souciait de moi, elle m'aurait laissé partir.
Même Antuza n'est plus capable de nous protéger. Ce n'est visiblement pas son avis. Mystios, je t'en prie. Nous partions pour Mykonos, un endroit sûr. Si tu m'y conduis, je te paierai la somme prévue pour mon équipage. Oh. J'ai pas envie d'aller à Mykonos, moi. Non, je te ramène à Corinth. Je sais pas. Merde. Non, tu fais chier, je te ramène à Corinth. Va veiller sur toi. Tu dois rentrer à Corinth. C'est ton foyer. Très bien. Ramène-moi contre mon gré. Je ne ferai rien. Voilà, je te ramène contre ton gré. C'est très bien. Ah bah au bout d'un moment, hein. Voilà quoi. Non mais, je vais pas aller à Mykonos, ça doit être méga loin en plus. On va voir c'est où Mykonos. Mykonos. Je sais même pas où c'est Mykonos. En plus on est de ce côté maintenant. C'est pas tout à droite Mykonos ? Mykonos. Ah bah voilà, j'avais raison, c'est bien là. L'île d'argent, ça fait partie de l'île d'argent, Mykonos. Oh non, non, ça va pas la tête. Non, je te ramène à... ramène à Corinth, toi. Non, par contre, y a pas un truc dans l'eau. Oui, voilà. Non, toi, tu... tu restes à Corinth. Le capitaine a quitté la barre. Toi, tu restes à Corinth. C'est quoi, là, les trucs, ça, là? On est près du port, il doit pas avoir grand chose dans l'eau. Enfin, je pense pas. Oh, la musique, peut-être que je préfère aller dans l'eau en fait. Ah putain. Il est où le machin? Casse-toi le spartiate d'élite. Oh, 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 ça vaut le coup. Sortez les flèches, les requins au cul. Ouais, ou bronchez pas comme d'habitude, hein. comme d'habitude. Hein. Branlez rien, c'est bien, merci. Ah, ça tue. Des spartiates d'élite. Hein. Si les Spartiates étaient des combattants redoutés à juste titre à terre, ils étaient tout aussi dangereux en mer. C'est pas vrai ça. Sparte gagna en partie la guerre du Péloponnèse grâce à sa marine et à ses chefs tels que Lysandre. Ils avaient pas de marine les Spartiates, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, il faudrait que je regarde ça. Ils avaient pas de marine les Spartiates. Mais ils avaient que... Enfin, pas des grandes, en tout cas. Genre, c'était Athènes qui avait énormément de marines. Ils avaient plein de bateaux, Athènes. Par contre, c'est cool d'avoir des Spartiates avec nous. C'est sympa, ça. Ah, ils ont le bouclier est différent. C'est un aigle et un serpent. Rejoignons le lac. Nous sommes en eau sûre. L'autre à faire la gueule. Cléo, on t'a fait du mal. J'ai prié Tiké pour que tu nous reviennes en vie. Je vais bien, je vais bien. Si jamais tu as la moindre écorchure, j'ai promis à cette mercenaire un mois de gage pour qu'elle te ramène saine et sauve. C'est vrai? Bien sûr.
Tu es ma sœur et je t'aime. Je suis même c'est sa sœur en plus. Ou alors, bah, peut-être qu'ils disent comme ça, comme voilà ça. Bonne chance à toutes les deux. Au moins, je n'ai plus à m'inquiéter. On a bien fini. Oui, ok. Bon, continue à chanter les mecs, hein, c'est bien. Alors, maintenant... Ah, voilà. Ah, ça a changé. Non ? Les bannières, ça n'a pas changé. Bon, le truc, c'est qu'on avait déjà tué quasiment tout le monde. Enfin, non, pas quasiment, on a tué tout le monde. C'est l'endroit. Allons brûler les marchandises. Ouais, comme si on les avait pas déjà fait. Putain, par où ? Quoi ? Les dieux sont avec moi. Merci, Mystius. Ouais, de rien. Tu peux m'aider à me dire ce qu'il faut brûler ? C'est en haut ? Tu veux quoi, genre que je détruise les vivres ? Ah, tiens. De rien. Tu es libre. File. Bon, on va activer la quête déjà. Brûler toutes les marchandises de l'entrepôt. Brûler les marchandises. Oui, mais... Ça ? Non. Ah si, si. De 3, 4. Ferme en haut. Voilà. Oh là ! Oh, c'est qui lui ? On le connaît, non ? Putain, il a une lance double. Je vous attends. Ah ouais. Nous, on peut pas utiliser un bouclier. Ah, c'est stylé. Bon, après, on en a pas vraiment besoin, j'avoue. Derrière, derrière. Ah, mais ça va. Non, mais le mec, il est mort, là. C'est bon. Je veux bien que ça soit super stylé, mais... Ok, j'ai rien dit, j'avoue, c'est super stylé. Ok, c'est parti. Comme dans la cinématique. Yeah. Tu te bats comme un spartiate. Avec résolution. Nous avons ça en commun.
J'ai vu des innocents piégés dans les flammes. Ceux de l'entrepôt. Je les ai libérés. Un bon soldat obéit aux ordres. Un grand soldat sait prendre les devants. Merci. Je m'appelle Cassandra. Je te remercierais aussi, si je connaissais ton nom. Brasidas de Sparte. Tu es depuis peu à Corinthe. Brasidas. Tu es un espion, toi aussi ? Vieille habitude spartiate. Mais j'ai mes méthodes. J'ai l'impression que c'est une coutume à Corinthe. Antouza a des étahirs postés derrière chaque colonne. Ah, Antouza. C'est une adversaire, mais nous avons un ennemi commun. Le Maquignon ? On souhaite tous les deux sa mort, mais de manière différente. Quel sort tu lui réserves ? Pour l'instant, le Maquignon tient Corinthe. J'aimerais le remplacer sans créer un bain de sang. Sans créer un bain de sang. Qu'est-ce qu'on vient de faire, là, mec ? Je veux bien que tu sois un héros, machin, patin couffin. Qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de trucider des gens et de les brûler vifs. Le seul moyen de le renverser, c'est de le tuer. C'est tout. Oui. Il est hermétique à la diplomatie. Tu manies l'euphémisme à merveille. On a arrêté ses lieutenants, armé les habitants, essayé de monter toute la ville contre lui, le tout en pure perte. Il ne reste qu'une solution. Un coup d'épée bien placé. Eh ben voilà. Ça fonctionne toujours. Si on réussit à l'attirer à la grotte sacrée de Corinthe, il est mort. Pourquoi là-bas ? Je ne quitterai pas Corinthe avant d'avoir tué le Maquignon. Cela te vaudrait la gratitude de Sparte. J'étais une Spartiate. N'est plus le cas ? Jusqu'à ce qu'on me jette du mont Taigeto, cet enfant, et qu'on me laisse pour morte. Tu es la fille du général Nikolaos ? Ouais, dis pas ça, quoi. Tous les Spartiates connaissent son nom. Tu serais là, en vie ? Impossible ! J'ai survécu, et j'ai grandi seule, pendant que la vie continuait à Sparte. Spartiate ou non, les gens de bon sens pardonnent. Et mérite d'être pardonné. Je cherche à retrouver ma mère, Myrine. Seule Antouza peut m'y aider. Oui, Myrine. On ne peut pas revenir en arrière. Celui qui a choisi l'exil peut toujours rentrer. Les dieux nous imposent certaines épreuves, voilà tout. Je préférerais qu'ils me facilitent la tâche. Allons, Spartiate. Où serait le mérite ? Au revoir, Brasidas. Oui, à bientôt. Il est marrant, il est pas, il est sympa. À tes côtés. Garde courage. Il est très sympa pour un Spartiate, par contre. Il est super sympa pour un Spartiate. Il est classe. Putain, ça serait trop bien qu'on ait un bouclier. Vous avez vu ce qu'il a fait ? On pourrait faire pareil. Ah, ça m'emmerde de pas pouvoir utiliser un bouclier dans le jeu. Ah la vache. Mais bon, après voilà, c'est stylé aussi de combattre avec une lance et tout machin. Enfin, un bout de lance. Mais bon, voilà quoi. Ah lui on pourrait lui demander. Oh non, j'ai pas envie. Il a vite changé d'avis quand même, hein. Genre je voudrais le déstabiliser, enfin le remplacer sans faire un bain de sang. Après on lui a dit, non mais la seule façon c'est de le tuer. Ouais, il mérite un coup d'épée bien placé. Bon, ok. Ça va, t'étais pas... Comment dire, il était pas très... Pas obstiné, mais... Genre il allait pas vraiment loin dans ses propos, quoi. Ah, tu m'as trouvé. Chut, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu Dame Alice parler de son drôle de client et j'ai voulu t'aider. Oh, après tout, tu pourrais m'être utile. Tu vois, j'avais raison, comme d'habitude. Je sais pas à quoi, mais... Je vais parler au client de Dame Alice. On verra ce qu'il a à me dire. Je suis venue ici pour espionner
et je l'ai entendu marmonner tout seul. Il est étrange. Si je te répétais ce qu'il a dit, ça pourrait peut-être t'aider. Je t'écoute. Alors, il a dit qu'il devait retrouver quelqu'un ce soir à l'élevage de porc de Faya. Ça peut être utile, ça, non? Peut-être. Est-ce qu'il a dit pourquoi? Pour récupérer quelque chose. Un titre de propriété, je crois. Bien, c'est déjà ça. Ensuite? Ah, il a dit un nom. Deinomen. Je me demande qui ça peut être. C'est bon à savoir. Merci, Phoebe, petite espionne. Haha, pas mal, non? Il faut agir, écoute-moi bien. J'avoue. Glisse-toi à l'intérieur et vois ce que tu peux trouver chez lui pendant que je le distrais. Je ne ferai aucun bruit. Bien. Mais si on te surprend, tu files. Et par la porte. On se retrouvera plus tard. Promis? Je suis prête. Allons-y. Allez, on y va. Bonjour. Je te connais? Non. Mais moi, si. Si c'est Miron qui t'envoie, dis-lui que je le paierai dès ce soir. Personne ne m'envoie. Il faut qu'on parle. Je sais que tu mijotes quelque chose. Quelque chose? Mais ça peut être n'importe quoi, ça. Tu n'as rien contre moi. Alors, tu rencontres quelqu'un à l'élevage. Tu dois aller à l'élevage de porc de Faya. Pour y rencontrer quelqu'un pour affaire, n'est-ce pas? Où est-ce que tu as entendu ça? Yes, c'est ça. Fou. Tu te trompes. Titre de propriété. Et quelqu'un doit te donner un titre de propriété. Mais j'ignore l'usage de ces terres. Une espionne? Qu'est-ce que tu as d'autre sur moi? Vas-y, parle. Déinocrate. C'est le nom de l'homme que tu as rencontré. Merde. Je ne connais absolument pas cette personne. Tu dis n'importe quoi. Toi, là. Non. Au voleur. Hors d'ici. Fais chier. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom qu'elle m'a dit. Bon, on peut parler maintenant? Bon, je te ramène chez toi. Oh putain, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tuer le client et les gardes. Hein? Bon. Chier, j'ai oublié le nom, je sais plus ce que c'était. Ils sont tous pareils, ça sonne tous pareil. C'est quoi ce bruit? Damalis n'aura plus rien à craindre de ce client. Ce n'est pas ce qu'elle t'avait demandé. Et je sais. Tu es occupé de lui, oui ou non? Eh bien, au moins j'ai pu me faufiler. Regarde. Voilà une lettre. C'est méchant. C'est écrit qu'on lui fera du mal s'il continue comme ça. Je m'y attendais. Il y a autre chose. Il doit amener Damalis quelque part ici, à Corinthe. Ça dit comment y aller. C'est quoi, à ton avis? Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. Je viens avec toi. Pas cette fois. Va chez Damalis et attends-moi là-bas. Oh, s'il te plaît. Tu en as assez fait pour aujourd'hui. Ça pourrait être dangereux. Je viendrai te voir après. Bon, l'autre, elle va pas être... Où amener Damalis? Une prison? Il faut que j'en ai le cœur net. Elle va pas être très contente, l'autre, mais bon. Maison d'Abron. Le lieu sera bien défendu. Ok. C'est sûrement la maison dont parlait le mec. C'est pas ça que je voulais faire. Malaka, comment je fais comme ça?
La putain. Alors, je voulais pas faire ça, en fait. Je voulais invoquer mon garde, là. Bon, pas grave. Du sang. Beaucoup de sang. Des chaînes, de l'huile ? Ça ne peut pas être ce que je pense. Des chaînes, de l'huile ? Une mèche de cheveux. Cette odeur m'est familière. Oh. Malaka, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il s'amuse, quoi. Je te tiens. Alors, petite morveuse, c'est qui t'envoie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais t'aider. Envoie-la-moi. Oibé, va-t'en. Ne fais pas un pas de plus. Tu es courageuse de venir ici. Tu viens te faire fouetter? Le maquignon adorerait s'occuper de toi. Qu'il essaie, il pourrira aux enfers. Ha ! On est encore inti. Tout peut arriver dans ce cloaque. Et le maquignon aura ce qu'il veut. Tu es aussi répugnant que lui, charogne. Charogne. Qu'elles aiment ça ou pas, ses victimes ont droit à son traitement spécial. Je vais lui dire que tu es volontaire. Mon traitement spécial à moi. Tu vas l'avoir. Et je vais te tuer. Bah, carrément. Ah là là. Bon, bah voilà. Ah là là. Si, tu seras le seul, parce que sinon je peux pas continuer l'histoire. Voilà. C'est bon, on peut partir. Maya l'enragée. Eh ben. Bon, faut qu'on s'arrête là par contre. On va juste. Rendre la quête et après on y va. Ah, c'est bête que j'ai oublié le nom. Cassandra, ta jeune amie est déjà là. Tu as réussi? Et très très vite. Je connais tous les raccourcis maintenant. Pardon, Cassandra. Ce n'est pas grave. Tu as voulu bien faire. J'ai cru que je pourrais me faufiler, comme avant. Je suis contente que tu ne l'aies pas fait. Surtout avec ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je reviens de l'antre de luxure du maquignon. Alors imagine, c'est là qu'on devait t'amener. Non. Et pourtant si. Ton client était chargé de t'y conduire. Et on a trouvé ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait qu'il obéit au maquignon. Son emprise s'étend vraiment à tout. Oh, je sais comment le manipuler maintenant. Merci. Tu n'auras pas à le faire. Je me suis occupée de lui. J'ai dit à Cassandra qu'elle n'aurait pas dû. Oh, il a fallu en arriver là. Malaka, le pauvre fou. Le vrai fou, c'est le maquignon. Il va vite s'en rendre compte. Bon, bah ça va. T'es pas trop énervé par rapport à ça. Oh! Ça te ferait plaisir. Mais ouais, ça va. Elle était pas trop vénère par rapport à ce qu'on a fait.
Est-ce qu'on doit le vendre ça ou pas? Le garder. Alors. Ah ah! Un 10 sur adepte. Très bien. Alors, ils avaient dit des nouvelles gravures. Tir dévastateur, tir à tête, si tu pues destructrice, assassin, coup de pied spartiate. Putain, il y a trop de trucs quand même. Je pense qu'on va garder le 25% dégâts élémentaires en plus. Parce que les dégâts physiques, on se débrouille honnêtement. Donc, ça va. Dégâts dans la tête. Tiens, on a 20%. On peut avoir 25%. Très bien. Là, on a quoi? Dégâts de chasseur. Durée de recharge, aptitude, frappe héroïque et cri de guerre d'Arès par élimination. Pour élimination. Oui, par élimination, quoi. Non, c'est pas vraiment intéressant, ça. On a quoi? Accumulation élémentaire. 15% à toutes les résistances. Dégâts aux animaux. Moins bof. Là on a 20% de tir dans la tête. Pas grand chose de très 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 intéressant. Dégâts chasseurs. Bon, 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 bon. On peut améliorer notre équipement par contre. Voilà. Ravi de te voir. Très bien, très bien, très bien. Niveau 49 du coup. Ah, j'ai fait tout ce que j'utilisais au niveau 49. Cette épée, elle est juste là pour la décoration, honnêtement, on l'utilise pas. Alors, maintenant qu'on a une aptitude en plus. Alors le truc c'est que on est déjà plein avec ça. Ouais, on peut prendre ça là. Enfin, honnêtement, je suis vraiment pas fan de ça. Je me demande si on peut pas faire autre chose, prendre autre chose à la place. Ah mais il nous faudrait un truc de, je sais pas, pour l'infiltration en fait. Ah, on peut prendre le coup de pied chargé. Enfin, pas le coup de pied, l'attaque chargée, en fait. On peut voir un peu. Ah oui, c'est vrai qu'elle reste en position. Ouais, ça peut être pas mal pour faire tomber les gens là comme bah comme ils montent dans la vidéo hein, tout simplement. Mais ouais, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe ?
cadavre vaudra beaucoup d'argent. T'es sérieux là? Bon bah j'ai rien dit, on va attendre un peu. Merde, putain, à chaque fois je fais la mauvaise touche. Ah putain. Mais casse-toi le chien. Et le mec que j'ai invoqué, il est où? La légende, mais c'est pas un mec haut niveau ça? C'est un adepte? Donc il faisait partie des adeptes en fait, le mercenaire de rang 1 là. Parce que c'est bien lui hein, qu'on avait, je me disais. C'est bien ça. Hein. Ouais. Exil à la légende. Oui, c'est lui. C'est bien lui. Et il faisait partie du culte. Ça y est, on est échelon 1. Ouh, c'est quoi ça? S1, S2, S3, S4. Et maintenant on a... Oh putain, il y a encore des trucs. Les contrats de guerre, les primes rapportent 35% d'expérience de Dragman, matériaux supplémentaires. Et Phaistos réduit de 20% les prix de ses enseignements. La probabilité pour un Mystios chevronné de trouver de très bons objets sera accrue de 25%. Quête quotidienne, contrat et donateur, prime épique rapporte 10% de récalque en plus. Ça tue ? Donc c'est lequel qu'on a tué? C'est lui? Ah oui, s'il faisait... Putain, c'est... Ah ouais, d'accord, quoi. Eh ben. De combattre sous aucune bannière, ce qui lui permettait d'aller là où un soldat ou un héros ne pouvait se rendre. Ceci offrait au culte une grande souplesse. Là où on s'opposait à sa volonté, et Xexias apparaissait comme par hasard. Il buvait, faisait la fête et chantait les louanges des opposants à Cosmos. Après la fête, des gens disparaissaient à jamais. Ces gens disparaissaient à jamais. Cool. Attends. Hop. Donc on a eu ça. 20% de dégâts capturés, attaque puissante chargée. Bah c'est sympa. Il faut chercher le sanctuaire de Poséidon sur l'île au sud de Chios. Ah oui, et on a un nouveau cheval apparemment. Abraxas. Waouh. En avant. Oh, le... quand il fait pas des pas de feu, c'est bête. Ouais, je suis pas très fan. Ouais, je suis pas très fan, honnêtement. C'est parti. Mais en tout cas, on va s'arrêter là. Ouais, c'était une bonne surprise, ça. Très bonne surprise. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.